Salut les amis du futur, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur Dragon Ball Sparking Zero pour aller tester Bardock, les frérots. Oui, Bardock, on va pouvoir tester ce personnage. Ça fait longtemps que je veux le tester. Évidemment, ça va être incroyable. On va kiffer. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre un maximum de lumière et pouce bleu, de partager la vidéo à tous vos potes fans de Dragon Ball. Et bien évidemment, de mettre hashtag Bardock en commentaire. Et bien évidemment, on n'oublie pas de s'abonner en activant la petite cloche. Et puis nous, on est parti pour aller tester Bardock. Let's go! Et bien voilà, on va aller tester enfin ce petit Bardock. Bien évidemment, on le met avec sa tenue DBZ, hein, parce que DBS, voilà, moi je le préfère comme ça. Il a plus de flow, il est plus intéressant et il est plus emblématique avec cette tenue. Avec son bandeau sur le front, ses scènes. Petit bémol, c'est qu'il n'a pas le Super Saiyan. Voilà, moi j'aurais aimé avoir Bardock Super Saiyan dans un Tenkaichi. Ça aurait été incroyable. Soyons honnêtes les gars, on l'a dans Xenoverse, où il se transforme en Super Saiyan. C'est une masterclass. Oui. Donc voilà, moi j'aurais aimé avoir ce Bardock en Super Saiyan dans Tenkaichi, peut-être plus tard, mais pour le moment on l'a qu'en normal, donc on va aller le tester, on va voir ce qu'il donne. Bien évidemment après on fera des combats et on fera des interactions avec plein de personnages comme d'habitude. Bref, maintenant c'est parti, let's go. Voilà, on est avec le petit Bardock, putain de stylé, on aime bien, on apprécie. Oh là là, il est beau ce Bardock, il est beau. Bon allez, on va voir. C'est dommage que par contre son icône en haut, c'est toujours celui de DBS. J'aurais pu faire l'icône avec la version DBZ, ça aurait pu être vraiment très cool. Et c'est aussi dommage parce que du coup on n'aura pas d'un Bardock DBZ différent du Bardock DBS. Tu vois, c'est deux en un. Mais bon, au moins on peut le jouer en mode DBZ. Du coup on va aller voir ses petits combos. Vas-y, full carré. Est-ce qu'il a... Est-ce que je ressens Bardock? Un petit peu, le petit combo carré est pas mal. D'accord. Ok, la petite poussée. Ok, la petite retournée, ok, le petit punch. Ah, on est sur un bon truc. Voilà, le petit enchanté. Tu vois, hop. On va voir comment il rattrape. Bim. Ça chope direct. C'est dommage vraiment qu'ils n'ont pas fait un truc pour chaque perso pour rechoper en aérien. Oh là là, il est stylé. Il est stylé. C'est dommage qu'on le voit pas, on peut pas faire un enchaînement où genre il arrive, il fait sa pirouette et bam, grand coup de coude. Ça c'est incroyable, ce petit combo avec ce petit coup de coude là. Oh moi je kiffe hein. Bam. Hop, on te chope. Tac, t'en bouge pas. Oh là là, il est stylé ce Bardock. Bam. Boum. Fais voir la petite chope. Boum. Oh non, c'est le lancer du dragon. Ils auraient pu faire quelque chose de différent pour Bardock. Apparemment non. Ah, un petit peu dommage. En vrai là le petit Bardock est plutôt sympa, moi j'aime bien. Allez maintenant on va se recharger. On va voir ses techniques, onde de choc, de rébellion. Ouais! Ah, il fait une onde de choc et il se passe en mode sparking! Ah, carrément, on en est là. Calmez-vous, monsieur, calmez-vous. Alors, le blaster d'émeute. Ouais, c'est classique, c'est ouais, le fameux lancer du rébellion quasiment. Vengeance finale. Oh, est-ce que bah, c'est justement là la pirouette? Oh, il est stylé. Allez, la petite pirouette. On veut la pirouette. Ouais. Oui, la pirouette! La pirouette! C'est... Oh là là, c'est le même Bardock que sur Tenkaichi 3. Tu le mets comme ça, c'est Bardock DBZ. La petite pause, le petit truc. Hop là, bon, le petit blaster et tout. C'est un peu dommage, ils auraient dû le garder en mode normal. C'est un petit peu comme le Kamehameha ou les trucs comme ça. Ou Kanon Gari qui se charge. Parce que ça peut être plus intéressant. De distance, on les voit pas trop arriver. Donc ça aurait pu être pas mal pour ce Bardock. Ok, et fais voir du coup l'esprit Saiyan. Esprit Saiyan, ok. Et là, il va taper plus fort, ok, d'accord. Hop, allez, on va aller voir sa technique ultime. Oh, je suppose que c'est la technique. Allez, fais voir. Ah, il est beau. Ah, il est beau, putain. Respecte-moi, c'est Bardock, ma gueule. Oh là 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 là, il est incroyable, la technique. Allez, par contre, ça, c'est abusé, le fait que t'appuies sur... Bon, par contre, ça te coûte 4. Hein. Ça te coûte 4, le onde de choc de rébellion, mais t'es en sparking. T'es quand même pas mal loti, quoi. Hop, hop, et là tu lances ça, hop, la petite, oh, oh là là, les bestes techniques, elle est belle, elle est incroyable la technique ultime, elle est masterclass, on peut dire ce qu'on veut, mais là elle est juste magnifique quoi. Non, et puis le perso il est vraiment intéressant, donc regardez notre petit vengeance finale, hop là, boum, même si c'est Bardock DBS officiellement, vu que c'est la première tenue, oh là là, la petite pirouette. Ah, peut-être un poil trop lente la pirouette. Elle nous casse les couilles là. Je dirais peut-être un poil trop lente parce qu'en vrai il l'a fait hyper vite. Genre il est bam et après il met un grand coup de coude. Donc c'est vraiment stylé. C'est stylé. Moi j'aime beaucoup. Je fais le main clairement. Bardock incroyable. Donc maintenant on va le tester en combat avec les interactions sur tous les personnages. Let's go. Bien sûr, on lance d'abord face à Frieza. Voilà. Oh, je vais te faire payer. Ok, allez. Freezer, tu vas payer ma gueule. Intérêt zéro. Pardon? Pardon? Tu vas payer pour ton insolence, Freezer. Tu vas payer pour ton insolence.
Non mais oh, on se calme Freezer. Comment ça? Comment ça intérêt zéro? Tu vas me respecter en tant que Saiyan, hein, je te le dis direct. Eh, c'est pas parce que tu fais le malin, parce que là j'ai pas mon Super Saiyan. T'inquiète pas, va, mon petit gars. T'aurais été mort si j'avais mon SSJ. C'est faux, il l'aurait pas eu. Parce que c'est fois 50. Tu serais fait quand même démonter la gueule, sachant que Freezer en avait 530 000. Voilà, sachant que lui... Et on parle de sa première forme. Hop, boum. Mais tu te moques pas de Bardock? Wow! Aïe, ça c'était pas ouf. J'ai mal, Freezer. On bat les couilles, frère. J'ai mal. Allez. Bon alors, mon gars. Bon alors. Mon petit Freezer. Aïe, il me fait battre. Oh le bâtard. Je vais venger mes amis. Je vais venger tous les miens. Allez, c'est parti, Bardock. Et que ça. Boum. Voilà. Ça, oui. Putain, incroyable, oh là là, elle est belle sa TS, hein. Pas, tout va changer, le destin de la planète Vegeta, mon destin, celui de Kakarot aussi, et le tien aussi, oh là 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 là. J'ai envie de mettre les deux tenues qui ne vont pas ensemble, voilà, les Bardock DBS et Bardock DBZ, ok. Ah, on tendance à se ressembler, ça devrait finir par arriver un jour ou l'autre, ok. C'est très spécial, et c'est pas tout le monde qui peut se le permettre, en tout cas, c'est ce que dit Guidé. Ok, ils ont pas du tout la même façon de penser, mais par contre, du coup, t'as bien Bardock qui se parle à lui-même et qui a une conversation avec son Bardock DBS, vrai Bardock officiellement canon, face au Bardock OAV. Donc c'est bien, ils ont vraiment mis le truc bien, ils ont vraiment fait un petit truc assez sympa. Mais bon, Bardock DBS, je suis désolé pour toi, hein, mais tu n'as pas de quoi face à Bardock DBZ. Tu n'as pas ce charisme qu'avait Bardock DBZ à l'époque. Même si, bon voilà, il a quand même un petit flow, notre petit Bardock DBS. Kakaroto, tiens, respecte-moi. Respecte l'ancien. Allez, dégage. Ouh. Oh, elle est trop belle sa technique. Mais oui, c'est clair. Allez, dégage. Voilà, respecte-moi, tu ne fais pas le poids face à Bardock DBZ. Alors, on va tester avec Black Goku. Voilà, je veux voir. Voilà. Oh là là, tu t'en prendras mon fils. Oh là 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 là. Oh là là, il va lui mettre sa misère. Ah, tu devrais être fier. Quand tu puisses participer à un dessin, tu vas... Oh, putain, c'est stylé. Il y a vraiment une petite interaction, forcément, avec Black. T'es obligé, parce que c'est le corps de Goku, donc il le reconnaît. Allez, on va te montrer. Black 2, ce qui arrive quand on prend le corps de mon fils. J'ai peut-être pas sa puissance, mais j'ai le charisme. J'ai le charisme, mon gars, calme-toi. Et bah du coup, je vais devoir te montrer la pleine puissance qui nous sépare. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Tu vas mourir. De fou. J'ai perdu mon détecteur, mais je vais te tuer. Ah, Ikezo, Bardock. Il est tout à fait fou, ce type. Hein, oh là là, c'est stylé. Ce Bardock, il est trop stylé, putain. Allez, on va le voir avec Goten, du coup, cette fois-ci. Kakaroto. Ah, c'est stylé. C'est pas du tout Kakarot, quoi. Allez, c'est parti. Ikezo, Goten, je suis ton grand-père. Je vais t'apprendre ce que c'est. Un guerrier Saiyan. Voilà, la vraie puissance d'un guerrier Saiyan. Hop là. Oh putain. Hop là, esquive. Tac, 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 tac. Allez, on y va. Hey yo, what the voilà. Fuck. Aïe, 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 Goten. Ah, ça fait mal. Oh putain. Non, aïe, Goten, c'est pas très gentil. C'est vraiment pas nice. C'est pas très gentil, Goten. Je vais devoir sévir, Goten. Voilà. Ah, c'est incroyable. Bon, je voulais voir s'il avait un petit truc avec Vegeta aussi. Parce que ça peut être intéressant de voir ça. Tu n'es pas Kakarot, mais tu es très certainement un Saiyan. Ok, il y a un truc avec Vegeta. Oh, mais il a l'air si jeune. Ne me dites pas que Prince Vegeta. Oh là là, il y a un petit truc avec Vegeta. Incroyable. Allez. Oh, bim. On enchaîne. Mais Vegeta, le petit prince, je vais vous montrer c'est quoi la puissance. Regarde-moi ça. Oh là là, j'ai raté. Voilà, Prince Vegeta ou pas, je te casse tes dents. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon pour vous? D'ailleurs, notre petit... c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas le roi Vegeta dans ce jeu-là. Ça aurait pu être vraiment très cool de l'avoir. Oh, dommage. Aïe, oh, calme-toi. Allez, Vegeta, tu arrêtes maintenant. Dis donc, Vegeta. Prince Vegeta, vous allez faire quoi de ça? Cadeau pour vous! Allez, c'est parti! Oh là là, la puissance de Bardock! Bon, bien sûr, j'ai pensé à Broly quand même. Broly,
Voilà. Ikuzo. Kakaroto. Kakaroto. Ah là là. Incroyable. C'est pas Kakaroto, mais je suis ravi de savoir que mon fils serait aussi beau que moi. Incroyable. Oh, il a une répartie, Bardock. Allez, Bib. Allez, hop. Mais dis donc. Boum. Hop là. Tiens. Nope. Vas-y, viens là, Broly. Je vais te montrer. Le gouffre qui te sépare de moi. Tiens. Bon, bien sûr. Pareil, il y a Broly, froisse tous les jours, Bardock. Même bébé. Même bébé. Même bébé. Même bébé. Broly, froisse Bardock. Allez. Tu vas finir comme tous les autres à la morgue. Voilà, dégage. La puissance de Bardock. Oh, c'est stylé de fou. Stylé, incroyable, incroyable. Et bien sûr, face à son fils, Goku. J'ai mis Goku Z fin. Voilà. Kakaroto. Ok. Et... Salut, moi c'est Son Goku, je viens de la Terre. Il n'y a aucune logique. Je vais voir si sur Goku DBS... Ça change du coup, vu qu'il a accepté son côté Saiyan. Non. Et ça, c'est, ça pourrait être vraiment très cool. Vu que maintenant, il accepte qu'on l'appelle Kakarot. Bon, voilà, ça pour lui, ça restera sans Goku. Mais maintenant, il s'autorise à s'appeler Kakarot. Et ça pourrait être intéressant de voir ça. Allez, Kakarot, tu t'es un petit peu refroidi. Voilà, je vais te montrer la puissance de ton paternel. Même si à ce moment-là, tu me casses la tête. Tu me détruis en 3000 morceaux. Ouais, c'est pas faux. Allez. Je vais devoir te montrer la puissance d'un Saiyan. Allez, la puissance d'un Saiyan. Voilà, je vais te montrer ma plus belle technique. Regarde-moi, Kakarot. Allez. Oh ah, putain, c'est... Saikoda. Ah là là, maître Zoro, que celui où mon propre fils me battra. Putain, il a même des phrases pacifiques à la fin pour son gamin. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Franchement, Bardock était incroyable. Moi, j'ai grave kiffé le perso. Donc franchement, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et puis nous, on se retrouve pour la prochaine vidéo, pour le prochain live encore une fois. Pour la prochaine vidéo, n'oubliez pas que la meilleure famille est toujours en vous. Et sur ce, ciao les gars.